D'abord parce que nous voulons une économie stable. La stabilité, c'est un bien précieux. Tout le monde veut de la stabilité. Dans sa vie familiale, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Je connais peu de gens qui aiment les montagnes russes permanentes. C'est fatigant et ça donne mal au cœur. La stabilité est un bien précieux. Une économie stable est un bien précieux. Une fiscalité stable est un bien précieux. Nous refusons les risques de spéculation et les possibles détournements liés à ces spéculations. Nous refusons les risques de spéculation, en particulier liés au Bitcoin. Et j'ai demandé, comme vous le savez, que la présidence argentine du G20 se saisisse de cette question. Et je vous annonce que je viens de confier à Jean-Pierre Landau, ancien sous-gouverneur de la Banque de France, une mission sur ces crypto-monnaies. Cette mission me proposera des orientations sur l'évolution de la réglementation pour mieux en maîtriser le développement, empêcher leur utilisation à des fins d'évasion fiscale, de blanchiment ou de financement d'activités criminelles ou de terrorisme.